Salut la compagnie. Alors me revoilà, Vapor 7 pour une petite revue illiquide pour changer sur une marque qu'on a fait dernièrement, donc qui seront les fucking Flava. Là on va parler de quelques autres produits de chez eux. J'en profite pour vous faire un petit tour de panorama super sympa. J'ai trouvé un petit coin assez cool. On a la route derrière, donc il y a peut-être un tout petit peu de bruit, mais on est bien là. Ça sera parfait pour la revue. Allez, c'est parti. Alors on va parler donc des fucking Flava, plutôt des fucking Flava, comme littéralement il faudrait le prononcer, F-C-U-K-I-N, donc fucking. Mais bon, voilà, pour moi ça restera toujours du fucking Flava. Je me suis déformé par rapport à ça. Alors, on va parler de deux jus. Donc, dans la dernière revue, on avait parlé du Monkey, du fucking Monkey, qui était à la banane, melon et chewing-gum avec ce côté hyper frais. On avait parlé du Yumei Guava, qui était aussi un hyper frais avec une goyave un petit peu sèche, mais très très bonne. Donc, le Monkey était un jus quand même, lui, par contre, assez sucré. C'est ce qui fait justement un petit peu son charme, cet effet sucré et cet effet glaçant qu'on retrouve par-dessus. Et aujourd'hui on va parler donc du Frizzy Mango, donc qui lui est vert, qui est une mangue verte avec cet effet coulada qui n'est pas du coulada, mais on va y venir, et le Frizzy Pineapple qui lui est à l'ananas avec toujours cet effet glacé. Donc à partir du moment où c'est du Frizzy, ce sera du glacé. Alors ce sont deux produits que j'ai eu grâce à la boutique Vapostore, que je salue au passage, donc qui ont les fameux fucking Flava qui sont très très compliqués à obtenir à part ça. Donc Vapostore, je crois qu'il y en a un petit peu partout en France. Moi ceux-là ils viennent de Divonne, donc si vous êtes un peu du côté Genevois, vous saurez qu'il faut vous orienter vers Divonne pour pouvoir obtenir ces jus. Alors aujourd'hui, respectivement, on essayera le Frizzy Pineapple dans une nouvelle acquisition, le Marquis, qui est un super dripper avec un montage en NI200 twisté, single coil. Et pour le Frizzy Mango, hop, attendez que je vous sorte ça, c'est rangé. Le Frizzy Mango, lui, sera dans le Typhoon GT2 avec un montage en NI200. Simple ce coup-ci, pas de twist ni rien, mais par contre avec du cap en 25 gauge qui est de l'équivalent, je crois, du 0,50. Alors ça descend très très bas, mais ça envoie super fort. Ça marche d'enfer, surtout avec la SX Mini. Avec la Vapor Shark, j'avais pas mal de soucis, mais que vous sachiez, si vous avez des bobines de 25 gauges qui vous emmerdent un peu, qui vous restent sur les bras en NI200, si vous avez une SX, vous aurez plus de problèmes. La Vapor Shark est un petit peu difficile avec ce genre de câble. Parce que, comme je vous dis, il descend assez bas. Donc là, je suis à un montage à 0,07. Ouais, c'est ça. 0,07. Je vous redirai après, je vous confirmerai. Mais il me semble que c'est ça. Donc ça descend bas. Et étant donné que la Vapor Shark ne prend pas forcément des montages très bas en NI200, vous risquez d'avoir des soucis. Enfin, bref. Donc le Frizzy Mango sera dans le Typhoon GT et le Pineapple dans le Marquis. Alors c'est parti pour le test donc du Frizzy Pineapple qui donc lui est un fresh à l'ananas. Alors c'est parti, petit coup de marquis. Alors ça reste des jus en 50-50, donc des jus qui sont parfaits à mettre dans des tanks, qui étonnamment, jusqu'ici, j'ai pas eu de mauvaise surprise, mais passe très très bien dans des PMMA. Moi qui pensais peut-être que ça allait ronger vu leur côté frais. J'ai surtout essayé avec le Fucking Monkey.
Le fucking flava, pardon, à l'ananas, je ne l'ai pas essayé dans un PMMA, et le mangue non plus. Alors l'ananas peut-être pourrait ranger, mais jusqu'ici j'ai pas eu de mauvaise surprise, en tout cas avec le fucking monkey qui est le Yumei Guava, donc à la goyave que j'avais mis dans le Hurricane avec son tank en PMMA. Et aucun souci. Aucun souci. Donc, je les ai mis également dans l'origine, dans le V2. Aucun souci non plus. Donc, ça a l'air de tenir. C'est assez sympa. Mais bon, c'est des jus qui sortiront super bien. Alors, en Dripper, bien sûr, et sur le Typhoon GT2 avec un bon petit montage. C'est des jus qui passent, qui s'irriguent parfaitement. Pas de problème d'irrigation par rapport à votre coton du fait du 50-50. Donc, petite vape. Alors voilà, c'est un ananas légèrement sucré qui est un ananas, ouais, l'ananas qui picote un peu. C'est pas l'ananas hyper sucré comme celui du Vapolic par exemple. C'est un autre type d'ananas accompagné de cet effet fraîche de nouveau. Et ça passe super bien. Ça passe super bien. Étonnamment, je ne sais pas si c'est moi qui m'habitue ou pas, mais j'ai l'impression que le niveau de fraîcheur maximum qu'on puisse obtenir sur cette gamme de liquide, pour le moment je l'ai eu dans le fucking monkey qui lui est hyper frais. Là on a une fraîcheur qui est un peu moins qui est moins présente, enfin qui est moins présente, qui est moins violente, qui est moins violente. Elle est présente, on a ce côté frais de nouveau qui reste en gorge quand on respire, exactement comme le bleu, mais le bleu a une intensité un petit peu plus élevée. Mais très très bon liquide. Ouais, alors bon, je trouve pas mes mots, mais c'est un ananas qui laisse une petite amertume. Une petite amertume avec ce côté frais. C'est vachement bon. C'est vachement bon. Ouais. Non, ils sont bons. Ils sont bons. Ils sont forts quand même, ces Malaisiens. Non, non, très très bon. Alors bon, de nouveau, ben, on a sûrement, je sais pas, des colorants ou je sais pas, mais c'est ce qui fait un peu leur charme. Donc, le Freezy Pineapple qui, lui, est en 6 mg de nicotine. Alors, comme je vous disais, les milligrammes de nicotine dedans sont très subjectifs dans le sens où, vu qu'il y a ce côté fraîcheur, j'ai eu l'occasion de les essayer en 6, j'ai eu l'occasion de les essayer en 9. Alors, plus la nicotine est élevée, plus j'ai l'impression que c'est intense, justement. Alors, plus j'ai l'impression que cet effet frais est accentué. Alors, maintenant, je ne sais pas, c'est peut-être dans ma tête, mais bon. En tout cas, le fucking monkey en 9 mg, j'avais un petit peu peur qu'il m'arrache la gorge, parce que bon, 9 mg, je vape plus trop du 9 mg. Et étonnamment, non. Oh non, non, du tout. Au contraire, super bon, super bon, super frais. Voilà. Alors là, on était sur le Freezy Pineapple. Donc, comme je vous l'ai dit, un ananas un peu avec une petite amertume, légèrement sucrée. Un petit peu cet ananas un peu acide. Accompagné de cet effet fresh qui n'est pas du coup l'ADA, parce qu'après après grosse recherche, je vais essayer de vous sortir le nom. Je vais essayer de vous sortir le nom. Hop, 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 restez en ligne, ne coupez pas. Faut juste que je retrouve ça. Vous m'excusez, hein, je fais tout ça en live. Petite latte en même temps. C'est un nom à dormir dehors, mais qui doit rapporter des points au Scrabble. On va y arriver, on va y arriver. Alors. Voilà. Alors. C'est donc du. Alors, accrochez-vous bien. Hein. Cyclohexanécarboxyamide qui est dedans et non du coulada. Donc c'est ce qu'on appelle plus communément dans le DAI du WS3 qui a un effet fraîcheur beaucoup plus intense que le coulada et surtout qui reste beaucoup beaucoup plus longtemps dans les DAI, parce que le problème du coulada c'est qu'il faut en mettre
faut en mettre avant de vaper parce que sinon il s'évapore et voilà. Donc du cyclohexanécarbioxamide, xiamide. Intéressant, intéressant. Voilà, alors on va passer sur le Freezy Mango. Alors, on va passer donc sur le Freezy Mango qui lui est dans le Typhoon GT2 avec ce fameux montage en 25 gauges de nickel 200. Pour 7 tours sur un diamètre de 2,5, j'arrive à une résistance de 0,072. Voilà, et ça marche fantastiquement bien à 25, 25, 30 watts à 160 degrés. Alors, le Freezy Mango, donc une mangue frais, une mangue avec de la fraîcheur. Testons. C'est parti. Ouh, ah ouais, mais ouais, si je suis à 10 watts, ça va pas envoyer grand-chose. Alors, c'est reparti, 30 watts. Pardon, 30 joules, parce que maintenant on parle en joules. Alors, celui-là est très sucré. C'est une mangue, mais alors c'est la mangue verte. C'est pas la mangue hyper mûre, c'est la mangue verte et c'est super bon. Super bon. Alors on a ce côté frais de nouveau, mais qui est moins intense toujours que ce fameux Funking Monkey. Le Funking Monkey, pour moi, c'est ma référence. Vous l'aurez compris, j'en suis complètement gaga de ce Funking Monkey. Alors j'ai eu des retours de certains youtubeurs là, qui avaient regardé justement, qui en avaient commandé dans les commentaires. Donc ça a l'air de plaire à beaucoup de monde. Donc je suis très content que tu as pouvoir pu vous orienter sur un jus comme ça parce que c'est vraiment une valeur sûre. Le problème c'est que c'est un jus qui rend presque addict. Mais voilà. Donc moi j'ai ma fiole à la maison, j'y vais mollo mollo parce que faut en rechoper tout le temps. Donc qui est en 9 mg. Donc si vous avez la possibilité de l'avoir, ne vous inquiétez pas, même si c'est du 9 mg, vous verrez, ça passe super bien. Alors le Freezy Mango lui est également en 9 mg. Alors il n'y a aucun impact en gorge, c'est pas quelque chose qui va vous taper comme un jus qui serait en œuf ou en Dieu sait dans un custard ou voilà. Là vous n'avez pas cet impact en gorge, vous avez ce côté frais qui vient de toute manière faire passer le taux de nicotine sans problème. Alors donc une mangue verte, on recontinue. Une mangue verte avec ce côté fraîche. Donc c'est vraiment des jus pour l'été. C'est une gamme à avoir pour l'été. Tout ce qui est Freezy chez eux, il a ce fameux hydroxycarbonide. Et ça passe super bien, vraiment super bien. Alors comme je vous dis, c'est un jus sucré. C'est marrant parce que ça me fait penser presque un petit peu à de l'aloe vera aussi, ou je sais pas. Presque au jus de cactus un peu que j'avais reviewé. Mais non, c'est différent, c'est vrai. C'est différent, mais il m'y fait penser. C'est peut-être la couleur. Ça, c'est vraiment des. Alors, ce qui est marqué un peu plus bas, c'est assez juste parce qu'ils notent que ce sont des all day vape. Donc, pour moi, c'est effectivement c'est des all day. Alors, à condition bien sûr d'aimer l'ananas, à condition bien sûr d'aimer la mangue, surtout la mangue verte. Parce que c'est pas la mangue qui est déjà bien mûre et tout, c'est la mangue verte. Vous l'aurez compris. C'est vraiment super bon. Vraiment super, super bon. C'est rafraîchissant. C'est surtout rafraîchissant. C'est ça qui fait plaisir. C'est qu'il y a ce côté glaçant de nouveau dans la gorge. Oh, vous respirez à fond et vous l'avez toujours. 5 minutes après, vous l'avez toujours au fond de gorge. Vous buvez quelque chose de frais par-dessus, ça vous frise la gorge. C'est pour ça qu'il porte bien son nom. C'est des Freezy Mango, Freezy Pineapple. Il y a le Freezy Grape aussi, mais que je n'ai pas, que je vous ferai peut-être en revue un de ces quatre, qui est super bon aussi. C'est avec sauf erreur, avec des fruits rouges, des raisins, des choses comme ça, qui est vraiment vachement bon. J'ai eu l'occasion de le goûter. Qui est super bon, mais que je n'ai pas pour la revue. Voilà. Alors, bah, comme d'habitude, bah, je vous mettrai les liens, le lien du shop dans la description.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Ben, les prix sont toujours les mêmes que pour les autres, donc 25, non, qu'est-ce que je dis? 24,90 € pour les 30 millilitres. Donc c'est des jus qui sont quand même assez premium. Donc effectivement, ils ont leur signature, ils ont leur propre touche et même l'étiquetage est super cool. Ça me fait penser un petit peu à du, comment ça s'appelle cet alcool là, du Jim Beam? Non. Ah, vous l'aurez compris. Je sais plus ce que c'est, un genre de whisky là. C'est un peu dans le même délire. Est-ce que j'aurais oublié de vous dire quelque chose? Cette mangue verte, elle est vraiment super cool. Super cool. Non, ils sont. Bon, après, il y a un gros pourcentage d'arômes, je pense, dedans, mais c'est très présent. Et on sent. On les sent bien. Que ce soit dans le pineapple, on sent bien l'ananas. Que ce soit dans le mangue, on sent très très bien la mangue. Dans le fucking monkey, la banane et le chewing-gum et le melon, on sent excellent. Le yume guava, la goyave, elle est hyper présente aussi. Non, c'est vraiment une gamme fantastique. Alors, ils ont la gamme Cloud aussi, donc fucking Cloud, qui sont des OVG, par contre sans l'effet frais. Alors, on peut obtenir, je crois, la plupart de ces arômes, mais sans le côté frais. Ce qui est plus pour justement des gros drips et tout ça, c'est pour les gros montages, pour ceux qui veulent vraiment s'en mettre plein les poumons. Voilà, donc vous savez que ce serait disponible. Voilà, donc je vais vous redire quand même ce qu'il y a dans la gamme. Donc il y a le Freezy Pineapple qu'on a reviewé, le Freezy Mango qui est là, le Freezy Grapes dont je vous parlais avant que je n'ai pas, le Fucking Monkey qui lui est un incontournable. Si vous avez l'occasion de le choper, le Fucking Monkey, sautez dessus. Le Coolberry que j'ai goûté dernièrement, qui est une genre de fraise fraîche, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Le Yume Guava, donc on avait fait la revue, qui est celui à la goyave. Le Sweet Mango, alors c'est la mangue, je crois que c'est cette mangue-là, mais sans l'effet frais. Et le Strawberry Lemon Ice qui n'est pas disponible, je crois, en France. Voilà, donc on a presque fait le tour de la gamme. J'essaierai de vous faire le fameux Freezy Grape à l'occasion. Alors, ne vous éloignez pas trop parce que il va y avoir une flopée de revues liquides là, qui vont tomber les unes après les autres, qui sont restées dans le pipeline pendant un petit moment, que j'avais pas monté. Je vais vous les envoyer à la suite. Donc vous étonnez pas si vous revoyez la Vapor Shark, parce que c'est peut-être une review qui remonte à plus loin. Pas mal de jus différents. Vous allez voir. On aura une grosse nouveauté. Grosse nouveauté américaine aussi, je vous en parle pas tout de suite, que j'ai obtenu chez Just Bottles, vous verrez. Et aussi une revue sur des liquides qui sont pas très très connus actuellement, qui sont les Inectar, qui est une marque française donc de chez La Parfume. Donc restez dans le coin, ça risque de prendre un petit peu de temps. Je vais vous mettre tout ça en ligne. Alors, comme d'habitude, merci infiniment de tous vous abonner parce que je vois qu'on dépasse les 740 et des poussières. Je suis super heureux, comme d'habitude. N'hésitez pas à écrire. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Dans le meilleur des cas, j'essaie de vous répondre. Si vous voyez que je ne vous réponds pas, c'est que je suis peut-être un petit peu occupé. Et que vous dire de plus? Voilà. Comme d'habitude, merci beaucoup. Et à tout bientôt.